On a passé le temps qu'il fallait pour se préparer. Maintenant, oui, je pense qu'on a envie. On a envie de débuter. Nous, il faut qu'on garde ce qui fait notre force, c'est-à-dire jouer. Autrement, je ne pense pas qu'on sera gagnant au bout. Ça va être un championnat spécial parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde en plus. Donc là, il y a le Mercato qui va se finir que le 31 août. Deux mois après, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ensuite, au mois de janvier, il va y avoir un nouveau Mercato. Je pense que ça va pas être un championnat simple à gérer, mais bon, on est tous logés à la même enseigne, les gens n'ont pas le choix, et puis comment on va gérer ça? Il y en a qui vont partir à la Coupe du Monde, on est un des clubs qui sera certainement le moins impacté quand même, normalement, donc on va voir, je sais pas, ça va être une découverte pour tout le monde. On a tous très envie, je pense qu'on est impatients, on a bien, comme chaque année, une fois qu'on a bien travaillé, qu'on a mis beaucoup d'énergie pendant la préparation, on n'a qu'une envie, c'est de transmettre ça sur le terrain et notamment en championnat. Donc on a très envie de commencer, de repartir sur une nouvelle saison de Ligue 1 et voilà, avec toute l'expérience qu'on a pris avant, espérant la mettre tout de suite à contribution lors des premiers matchs. Et puis voilà, non, vraiment on aborde ça avec beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de détente et d'envie dans le groupe. Forcément, ça, petit à petit, la bonne pression va monter tout doucement, mais là pour le moment c'est beaucoup de plaisir à l'entraînement et beaucoup d'envie de débuter ce championnat. Il y a plein de joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, et pour moi c'est le même enthousiasme, la même envie de travailler, même discipline quand on est au travail. Et puis je trouve que ça change pas beaucoup depuis 5 ans, et c'est ce que moi je veux en tout cas. Qu'on ait un groupe à nouveau soudé, qu'on continue sur ce qu'on a fait précédemment, en gardant les valeurs entre guillemets du club, qui est le travail déjà, l'humilité, et puis avoir cette envie de progresser, envie d'avancer tout le temps. Bon, y a toujours besoin de nouveaux éléments. Après, je pense que c'est toujours un bien pour le groupe en général. Il y a eu aussi des arrivées avec de l'expérience. Je pense à Max, à Mehdi et d'autres. Tout autant d'expérience, et puis des jeunes qui viennent aussi se mêler à tout ça, donc ça fait une bonne osmose dans ce groupe. Maintenant, il n'y a plus qu'à montrer sur le terrain que ça fonctionne et que ces nouvelles arrivées sont bénéfiques. Mais ça, j'en doute pas, on a vu que ça s'est quand même bien passé en prépa, les matchs amicaux nous ont montré aussi pas mal de bonnes choses, donc on parle tous déjà le même football, le coach arrive à tous nous emmener vers le même objectif et la même idée de jeu, donc forcément c'est beaucoup plus simple tout de suite à avoir des automatismes. Chaque match amical, on a avancé, on est monté d'un cran dans ce qu'on attend, dans la fluidité dans notre jeu, l'intensité, ce qui est normal parce que physiquement, je pense qu'aussi à chaque fois, on a progressé. Donc voilà, après c'est logique. Ce qui aurait été ennuyeux, c'est qu'on n'avance pas, parce qu'avec autant de nouveaux, quand on part de tout en bas dans la compréhension de ce qu'on veut mettre en place, on est obligé de progresser. Mais voilà, je trouve que tout le monde a envie de bien faire et surtout est à l'écoute de ce qu'on dit et de ce qu'on veut faire tous ensemble. L'expérience montre que souvent la deuxième année elle est difficile par pas mal de choses. Mais après il y a plein d'arrivées, donc ça peut aussi changer la donne parce que ça fait plein de nouveaux aussi dans cette équipe qui ramènent d'autres choses qu'on n'a pas connues la saison dernière. Donc on va voir. Maintenant, je pense qu'il y a quand même pas mal de certitudes par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. Plein d'expériences de prise aussi et qui vont nous servir pour cette année et ce nouveau défi. Mais franchement, on aborde pas surconfiant, mais avec pas mal de confiance quand même, parce qu'on a des certitudes dans notre jeu, on a des certitudes par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. Et voilà, je pense qu'on a progressé, la saison dernière nous a fait progresser, nous, en général, tous individuellement et collectivement. Pour nous, ça va être à nouveau difficile, hein, c'est toujours le même discours. Je pense qu'on n'a pas changé de statut en première division parce qu'on a passé un an en première division. On sait que ça va être compliqué, mais on a toujours envie d'imposer notre jeu et d'être maître du jeu sur tous les matchs. On va voir. Je pense qu'on va progresser
au fil de la saison. Mais bon, déjà, je pense qu'on a une bonne assise. Il y a quand même des joueurs qui sont restés et qui ont un vécu de 2-3 ans avec moi. Et bon, c'est les garants, j'allais dire, du jeu qu'on veut mettre en place. Voilà, après, on n'a pas inventé le football non plus. Hein. On veut essayer de bien jouer. On joue pour se maintenir, on ne joue pas pour le plaisir de jouer. On joue pour gagner des matchs, pour se maintenir. On a un objectif du maintien. Et voilà, ce qu'on fait doit nous emmener au maintien en fin de saison. Voilà, tous les profils qu'on a déjà eu au club, moi ça fait 4 ans, sont toujours adaptés au style de jeu en amenant leur qualité à eux propre. Donc ça va être sûrement un plus, j'espère en tout cas. Mais voilà, avec des joueurs qui viennent d'ailleurs, qui vont aussi amener une autre expérience, une autre vision et d'autres qualités forcément. J'ai vu tous leurs matchs de préparation. C'est une équipe qui est aujourd'hui très très impressionnante. S'ils ont la même attitude, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont les battre cette année. Donc c'est le gros morceau d'entrée, le très gros morceau d'entrée. Ouais, bah forcément, c'est la grosse équipe qui est déjà bien en forme. On l'a vu samedi dernier face à Nantes et qui a l'air très en forme, bien affûtée. Voilà, maintenant, on est là pour se maintenir et ça va commencer dès ce week-end, essayer de prendre des points. Je vous dis, on aborde ça avec tranquillité, sérénité et voilà, surtout beaucoup d'envie. Après, peu importe l'adversaire, on va essayer de faire au mieux dès le premier match. Et surtout à l'image du groupe et du club, sans trop se prendre la tête, surtout au départ. Hein, on redémarre la saison pied au plancher, mais sans se mettre de pression tout de suite quand même. On sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire pas se relâcher contre eux. Je pense qu'ils ont marqué. On était très proche, je pense, de revenir au score l'an dernier à domicile quand on était mené 2-1. Et en 12 minutes, ils nous ont marqué 4 buts parce qu'on est parti un petit peu, on est parti dans tous les sens. Et contre eux, on est puni rapidement. Donc on sait déjà ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire être entre les deux. On ne sait pas si à un moment donné... Pour revenir au score, il faut absolument qu'on pousse. Non, il faut contre eux, il faut jouer encore plus, j'allais dire, avec la tête pour pouvoir espérer quelque chose déjà. Et après, il faut mettre beaucoup de cœur et puis de l'intelligence évidemment pour avoir une petite chance de faire un résultat. Bah, on a retenu, ouais, c'est sûr, hein, comme le coach dit, on a retenu ce qu'il fallait pas faire. Malheureusement, des fois contre ce genre de joueurs, même quand on sait, c'est pas pour autant qu'on arrive. À bloquer tout ça. Mais non, forcément, moi j'ai souvenir de l'année dernière à domicile, on en prend. C'est vrai que le score est lourd, mais pendant 70 minutes, je ne vais pas dire qu'on faisait jeu égal, loin de là, mais on était quand même pas si mal dans le match. Il n'y avait que 2-1 face à l'équipe qu'on va rencontrer demain, quasiment avec les mêmes joueurs, et il y avait des bonnes choses. Après, forcément, on voit qu'un tout petit relâchement ou un petit coup de moins bien dans le match, et tout de suite ça peut faire mal. Donc ça va être essayer qu'il y en ait le moins possible. Qu'ils se voient le moins possible et qu'ils ne soient pas transformés directement comme ça a pu être le cas l'année dernière. Donc là-dessus, on a appris. Il va falloir faire le dos rond et être encore plus concentré sur tout le match. Mais de toute façon, avec ces joueurs, il faut s'attendre à tout. Donc c'est plus être prêt à être très concentré 90 minutes. Je pense que c'est vraiment là la clé. C'est la concentration qui va faire qu'on évitera le plus possible les erreurs, même si ça reste du foot et qui crée toujours des nouvelles choses en face. Mais voilà, nous, on va s'attacher à mettre en place ce que le coach va demander. Et c'est sûr que l'année dernière, ça ne s'est pas joué à grand-chose finalement. Le pénalty derrière, je m'en rappelle, au 2-1, qui derrière pour le 3-1, qui fait que ça enchaîne mal pour nous. Mais au final, il faudra retenir ces 70 premières minutes, je pense, qui n'étaient pas trop mal. Et puis à l'aller aussi, on avait fait des bonnes choses malgré le 4-0. Donc voilà, c'est prendre ce qui a quand même relativement marché contre eux et essayer de gommer... du mieux qu'on peut, ce qui n'a pas été, même si ça ne sera pas évident, mais voilà, beaucoup de concentration et on va voir.